Ça peut pas être la même femme. Où est Moira? Qu'as-tu fait d'elle? Je l'ai enterrée avec le reste des autres, sous la montagne de la peur et du désespoir. Tu l'as tuée. Ce regard de psychopathe qu'a eu la petite quand on l'a portée sur son dos. Oh mon dieu, c'est comme mon papa faisait. Oh putain, vraiment un cauchemar. Par contre la méchante, la Alex Wesker, en mode zombie. Waouh, wow. Le design, je sais pas qui c'est qui a fait le design, mais il est magnifique. Genre elle s'est comme cousu un demi-masque sur le visage, genre pour pas être amochée ou je sais pas ce qu'elle a voulu faire. Oh là là, c'est ultra stylé. Hein. Il l'appelle la sentinelle. Elle m'a déjà pris, Moira. Et maintenant, jeune putain de merde, pourquoi elle a fait ça? Désolé. Ce n'est rien. Elle a dit qu'elle allait renaître. Renaître? Avec le virus? Pourquoi elle a besoin de mon bébé? Je ne comprends pas. Je suis désolée. Je ne peux pas me rappeler. Oh, ma puce, excuse-moi. C'est mon problème, pas le tien. Repose-toi. À mon avis, Moira n'est pas morte. Je vous le dis clairement entre nous. À mon avis, elle est enfermée quelque part pour faire une expérience. Encore une fois, hein, ils ont dû la choper. Je me remets simplement les moments où on se promenait comme ça avec Moira et Polly. Vous entendiez bien? On essayait. Moira et moi, on se disputait souvent. Même lorsqu'elle est devenue plus grande. Parce qu'elle disait toujours des gros mots? Non. Elle faisait ça pour m'embêter. C'est moi qui ai tout gâché. J'étais loin d'être le père idéal. Elle jouait avec Polly dans la maison. J'ai oublié de ranger mes armes à feu. Et Moira, Polly a eu un accident. C'était la faute de Moira? Non, c'était la mienne. Je lui ai crié dessus et je suppose que je n'ai jamais assumé ce que j'ai fait. Dieu merci, Polly s'en est sortie, mais pas moi, ni Moira. On s'est éloignés l'un de l'autre. Je pense qu'elle t'aime toujours. Ça me réconforte que tu dises ça. Je peux te dire une chose. Je n'ai pas pu la sauver, mais je te sauverai. Je te le promets, on partira de cette île. Je sais. Merci, Barry. Faut que tu actives ça, Barry, hein, au cas où. Ça va aller, je peux marcher. Non, c'est bon. Ah bah, super. Partenaire.
Allez, en route. Elle peut marcher maintenant. Genre sa jambe, elle s'est cassée, elle a guéri, t'as vu? Bah c'est peut-être grâce au virus d'ailleurs. Tu peux me montrer ton bracelet au passage? Il est toujours rouge, hein. Il est toujours rouge. Oui, comme je vous disais, je pense que Moira n'est pas morte. Elle est déclarée morte, mais elle l'est pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, elle est dans une situation complètement désespérée. Toi ! Bon, c'est pas digne des coups de pied gracieux de Chris ou de Claire, mais... Voilà, tiens, prends-toi un petit coup de couteau pour la route. Ok, donc allez, il va falloir que je me réveille un petit peu parce que j'enchaîne hein, quand même des épisodes précédents où on a galéré contre le boss. Donc hop, petit étirement, clac clac. Attends, vous êtes sérieux? Je m'étire là. Oh là là, oh là là, ce professionnel. Putain, il manquait juste à ce qu'il meure vraiment de la balle dans la tête, tu vois. Là, ça aurait été tellement stylé. Ta ta ta. Ça va? Oui. Pro des TPS. J'irai même plus loin, pro des jeux de tir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, encore ces trucs. Voilà. Mais arrêtez! Mais qu'est-ce que c'est que ça là? Je comprends pas. Ah merde! Je le vois pas. Il est où? Il y en a encore beaucoup comme ça? Ça me casse un peu les couilles. Hein. Attends, tu sais quoi? On va run, hein, tant pis. Je récupère ça. Non, c'est quoi? Ah, c'est une brique. Oh ah, c'est vraiment une mauvaise idée de run à chaque fois. Hein. Waouh! Non, en fait, c'est peut-être une bonne idée, mais je voulais cette caisse quand même. Ça me plaît, ça, tu vois. Voilà, ça, c'est cool. Hop! Allez, on se tire. J'espère qu'elle va réussir à me suivre, Natalia. De toute façon, les zombies. Ça t'intéresse pas vraiment. Oh! Oh my god, il y a une AK-47, certainement que Natalia peut la récupérer en passant dans un trou, mais bon. Puisque ça va être compliqué et long, tant pis. Hein. Attends, peut-être qu'on va essayer quand même, parce que c'est vrai que... Que ma foi, ça a l'air cool. Attends, parce qu'elle était coincée dans le mur, là, à gauche. Non, bah il n'y a pas de trou. Qu'elle a dit? Il n'y a pas eu de sous-titres, j'ai pas entendu et j'ai pas. Oh putain, non! C'était ce truc! Oh là là, je l'avais complètement oublié! Ah bah oui, et bah là il va me chier dessus en plus, voilà. Tiens, bien, prends ça, allez! N'oublie pas ton petit gâteau et rentre bien à la maison! Putain! Oh non, mais ça c'est oh là, horrible! J'étais comme ça tranquille, je vois le petit truc bleu, j'étais trop content, je tire dessus! Et bah non! Bouffe-toi ça dans ta race! Bon, du coup, attends, faut prendre la petite fille. J'avais oublié ça, qu'il fallait toujours prendre cette putain de petite fille à chaque fois. Il y a quelque chose. Sois prudent. C'est bon, il l'a tué direct. Alors, attends. Tu le tues ou pas? Tue-moi ces trucs, là. Tu vois ça? Tu les tues. Oh là là, handicapé. Handicapé moteur, ce Barry. Voilà. C'était compliqué? Non. Eh ben, voilà. Alors, il est où le... Il est là, l'insecte, il est ici. Alors, vas-y. C'est quoi? Tu vas sortir un truc qui fait bien mal, genre ça. Putain, ça casse les couilles de pas le voir. C'est bon! Elle stresse vraiment trop, l'autre, hein. Elle stresse tellement plus que moi que finalement, ça me fait déstresser, tu vois. Ça m'énerve juste quand elle gueule. Putain, il était sympathique celui-là. Oui. Laissons-le. Pauvre. Il est mort tout seul. Attends. C'est à Moira. Tu l'avais pas déjà trouvé son téléphone? Maman? Polly? C'est moi? Je crois que c'est la fin. Combien je vous aime. Et Barry, papa, je suis désolée, non. J'étais vraiment une mauvaise non. fille. Ce n'est pas ta faute. Barry.
Je suis là. Allons-y. Putain de bordel de merde. Son île, pour ce qu'elle lui a fait. On doit Mais comment il est mort lui? Je pensais que c'était un gros chasseur à la Daryl de... The Walking Dead, mais pas du tout. Non, on n'a pas d'éléments avec Barry, ça c'est bête. Là, il y a de l'alcool, là. Tu vivais bien, mon con. Hop, là, je te ramasse la bouteille vide aussi, ça te servira plus à rien. Et en avant. Voilà, c'est déjà plus intéressant que galérer une heure contre un boss, hein. Mais j'avoue quand même que j'avais pas pensé à... Mais vraiment pas du tout, ça m'avait même pas effleuré l'esprit que Neil était peut-être un traître. Ah mais pas du tout, du tout, du tout. Donc là, vraiment une bonne surprise. Parce que généralement, quand je joue à un jeu, je pense à toutes les possibilités. Ça m'est venu l'idée que c'était un traître au moment où il avait écrit le message. Mais alors avant, non. Oui, et comment on fait? Parce que là, tu vois, pas un moyen pour escalader. Je pense qu'à petite, elle peut passer quelque part par là, non? Ouais, juste là. Vas-y. En avant, petite. Par contre, je comprends vraiment pas pourquoi ils mettent ces grosses traces de pas là. Je sais pas si on est vraiment pas censé voir. Bonjour monsieur zombie, je sais que vous êtes vivant. Ou mort vivant plutôt. Hop là. D'accord, tiens bon. Je pense pas qu'elle puisse hein. C'est trop dur pour une petite fille ça. D'accord. Ah non mais sans pression elle la tourne hein, genre easy. Bon, on va faire ça pendant combien d'heures d'après vous? Hop là, on récupère ça. On prend Barry maintenant. Il faut quand même garder la petite. Est-ce qu'elle peut tomber là? Non, bah tu sais quoi, on va la laisser se débrouiller. Tu sais quoi, envoie-moi ça. Non, envoie-le. Ah mais on peut combiner avec ça, c'est vrai. Ça donne un... Ah voilà, ça donne 3 herbes vertes, la logique. Ouais, il va falloir encore qu'elle tourne en fait. Ah Barry, faut que tu tires sur ça. Oh là 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 là. Cette violence. Ah putain, comment niquer ta touche croix? Ça c'est vraiment le truc, toujours, il faut que tu spammes cette touche croix. Alors que là, ça serait plus logique, je sais pas, faire un truc comme maintenir ou alors tourner le joystick. Parce que vous savez que plus on appuie sur le bouton, au bout d'un moment il se coince, enfin c'est de la merde. Enfin, genre il y a une sorte d'élastique dedans ou je sais pas trop quoi. Non, je crois que maintenant ça marche par des petits bouts métalliques. On va récupérer ça aussi. Et je pense qu'elle va devoir nous ouvrir encore. Ouais, encore un truc. Putain. Ça commence à faire beaucoup là. Et il y en avait un troisième. Ah, même un quatrième qui rampe. Voilà. Voilà. T'es sérieux? Le rampant, il meurt même pas d'une balle à la tête. De deux balles à la tête, mais... C'est ton casque qui fait ça ou... Tu sais que t'es casse bonbon. Voilà. C'est ça que je voulais, moi. Mais c'est quoi ce truc? Il y a des bonbons. Non, parce que j'ai dit des bonbons, moi. De la poudre à fumer, d'accord. Je voulais dire des médicaments, j'ai dit des bonbons. Ouais. Par là. Vu qu'il y a encore un baril explosif, j'imagine qu'il y a un zombie qui va se lever, non? Il y en a même plusieurs de barils. Hop. Barry, tire sur ce truc sur mon chemin!
Merci. Mon dieu, c'est qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pris de faire une voix de merde pareil? Il se lève lui? Il se lève pas. Je sais pas, ils ont mis plein de trucs explosifs pour rien alors. Ah non, il y a... C'est quoi ça là-bas? C'est les zombies chelous et là il est déjà en mode 4 pattes. Oh, il se fait attaquer Barry. Pourquoi? Mais il est trop nul putain. Regardez-moi les ordi. Ils me font pitié tellement qu'ils sont nuls à chier. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse mourir. Même pas il tire quoi. Putain c'est n'importe quoi. C'est bon. Allez, parce que là, je l'ai vu, le zombie. Hein. Pas sous de ma gueule. Il y a un très 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 vilain zombie dans le coin, là. Ah, c'était des chiens, d'accord. Oh. Tu vas te calmer. Oh. Attends, prends la mitraillette. C'est bon. Tu vas devoir te re-soigner, du coup. Et là, il va falloir tirer sur les zombies de la passerelle. Alors, attends. Le samouraï Edge d'abord. Hop. Oh là 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 là. Non, mais il y a vraiment des gens trop forts dans ce monde, je vous le dis. Hein. Oh putain. Là, ouais, je sais, je m'enjaille sur des trucs où tout le monde dirait que c'est normal. Mais laissez-moi. Laissez-moi mon kiff. Alors, par là. Tu. Il y a un coffre. Ah, faut retirer sur ça. C'est bon, personne se lève. Pourtant ça me paraît bizarre d'ailleurs. Ouais voilà, ça me paraît c'est trop bizarre. Il y a un coffre, il y a des zombies à côté, ils se lèvent pas. Voilà, c'est bon. Et le deuxième, non plus. Ok. Il se lève pas. Donc on va essayer d'ouvrir ce truc. Ça sent la sacoche. Putain Barry. C'est quoi? Je vais espérer que tu survives pendant que je fais le coffre, tu vois. Oh non! Mais j'avais relâché au dernier moment. Voilà. Voilà. Mais pourquoi tu fais pas ça tout le temps? Bordel de merde. Bon, ça va être chiant de prendre ce coffre, hein, mais bon. Ah, c'est bon, le deuxième verrou, il est considéré comme déjà fait. Ça, c'est bien, ça, j'aime. Je pensais qu'il fallait tout refaire, en fait. Ça aurait été plus logique, d'ailleurs. Enfin... pas vraiment plus logique, mais en termes de gameplay, oui. Parce que sinon, ça sert vraiment à rien de mettre 3 verrous. T'en mets qu'un seul, ça revient au même finalement. Juste, on perd du temps. Voilà. Je le fais toujours parce que je comprends pas. Il faudrait qu'ils se mettent d'accord qu'une balle à la tête, hormis pour certains mobs ou boss, ça one shot, c'est tout. Et pour les trucs classiques comme ça, ça peut tuer quand même. Coucou. Oula, là ça sent. Voilà, là ça sent les zombies dans tous les sens. Je vais pas laisser tranquille. Bon, tu sais quoi, petite fille? Attends, j'arrive. Voilà, désolé pour toi. Ça a dû un peu te brûler, mais... Ah, c'était pas par là. Vas-y, va dans le feu. Ah merde. Comme ça. Faut faire Assassin's Creed, s'il te plaît, avec la petite Natalia. Hop. Je vous jure, j'ai cru que c'était un monstre. C'était tout rouge, là. Wow, mais où est-ce qu'il m'emmène? Barry, tire sur ce truc sur mon chemin! Attends, oui, la vanne, mais sauf qu'il y a un zombie là, tu vois. Mais il est fou, il bouge sa tête dans tous les sens, c'est un déviant de Shinji no Kyojin. Oh mon dieu, pourquoi ils ont fait ça? Ah, je voyais un grillage au bout. Oh putain, heureusement que c'était la dernière vanne, parce que j'en pouvais plus là. C'était chiant. Allez. Allez Natalia. Tu m'as assez niqué mon bouton croix pour aujourd'hui, je pense.
Vas-y, passe ici. C'est bon. Ah bah il me suit pas du tout là, je sais pas ce qu'il fait. On passe par là, par contre ça pue les zombies. Ils vont tous se lever là. Comment je vais où? Ah, il y a encore une vanne, mais oh là là. Je sais pas s'ils sont tombés amoureux des vannes pour ce troisième. Ouh là là, Barry, est-ce que... Oh non! Petite fille en danger, Barry arrive à la rescousse. Non. Tu ne feras pas de mal à Natalia. Natalia, essaie de voir si tu peux l'ouvrir. Compris. Voilà, boum. Qu'est-ce qui lui arrive à mon gars là? Depuis tout à l'heure, il est en mode oh, je suis dans les vapes. Il fait des crises hypoglycémie en chaîne, le mec. Il peut mourir lui. Oh ah, 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 staying alive, stay alive. Ça sent le monstre invisible, non? Ah ouais, c'est le monstre invisible, c'était pour ça en fait. Oh putain merde. Oh putain de merde. Mais putain, mais ça me casse les couilles, tu comprends? Se rapproche. Attends. 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 Il est où le zombie? Enfin le truc, il est là, attends. Putain de merde. Oh là là, c'est impossible avec un sniper, s'il te plaît. C'est quoi, on va courir? Oh là là, il était tout proche là. Oh là là. Oh là là, le professionnel. Mais je crois qu'il y en a un deuxième. Ça sent le deuxième en fait. Non, s'il te plaît, pas de deuxième hein, parce que là. Oh putain, non. Oh putain, non. Oh putain, non. Attends, Barry, tu vois pas qu'il y avait un truc, là? Il est rouge, il arrive. Putain. J'ai plus de balles, ça y est. Oh, bordel de merde. Poussez-vous. Pousse-toi! Pousse-toi! Putain. Donne les balles. Donne ça aussi. Vite. Mais il est où ce putain de monstre? Mais il est resté là-bas. Ah mais il y en avait encore un là. Oh là là. Putain, j'en peux plus. C'est quoi, je vais espérer que tu survives hein, parce que là il faut fuir. Vas-y, je spam. Je spam. Ne meurs pas Barry. C'est trop chaud ce passage. On peut pas tous les tuer, c'est pas possible. J'espère qu'il fait pas le con. Hein. S'il se laisse mourir, je pète un câble. Oh là là, le con. Je le voyais venir. En plus, il y a la moue juste à côté là. Regardez, il voit tout flou. Et voilà! Et voilà ce con, putain, il bouge pas! Il bouge pas! Putain de merde! Et voilà, je me fais vomir dessus! Putain! Ça casse les couilles. Quand t'as pas... Eh, t'as pas un taille à côté de toi? Comment tu fais pour voir la bestiole? C'était grave dur, putain. C'était grave dur pour repérer la bête. Attends. Attends, parce que là, du coup, elle va pouvoir nous les montrer direct. Elle dit qu'il y a quelque chose, mais... Non, mais ils apparaissent pas encore. Attends, ils sont où, les monstres, là? Putain, je te jure, il faut... T'es obligé de faire... Attends. Ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va récupérer les balles. Voilà, comme ça. Se rapproche. Ah bah non, bah ça y est, il a apparu le truc. Attends, parce que je le vois pas. Je sais même pas c'est lequel. Attends, ça serait pas le truc tout... Non, ça c'est un zombie, tout simple. Ok, ça va être chaud.
Il y en a deux de mouches, il y a deux grosses mouches là. Harry, il y a quelque chose ici. Putain, avant de toucher le truc. Donc là, on en a eu qu'un. Oh putain, oui. Normalement, avec deux, hein. On va vérifier ça. Et je crois qu'on s'est débrouillé là. Normalement, avec deux. Hein. Ouais, ouais, y a plus de méchants. Faut juste les tuer à travers le grillage maintenant. Ok, c'est cool. C'est le concept du try and retry avec moi à chaque fois. Hein. On meurt une fois en galérant comme des gros porcs, ou alors c'est vraiment au bout, sur le fil du rasoir, comme on dit. Et bah voilà, généralement j'échoue une fois, après je suis bon quoi. Je ne commets pas deux fois la même erreur. Allez, let's go. Natalia, essaie de voir si tu peux l'ouvrir. Attends, parce que j'ai quand même peur en fait. Oh putain, si, il y a un truc. Ah non, mais c'est le zombie qui est par terre, ça va. Voilà, redors. Fais dodo. Allez. Il y a la musique quand il y a l'insecte qui est là en plus, c'est bâtard. C'est vraiment le monstre le plus chiant du jeu, ça. Ce putain de gros moustique qui jab dessus quand il te tue et qui est invisible, oh là là. En plus, tout à l'heure, putain, on était limite, hein. On était vraiment limite, j'avais ouvert le truc, fallu que l'insecte il me nique. J'allais faire le tour, mais il m'avait, quoi. Je suis deg. Attends, parce qu'il y avait un objet, là. Voilà, des missions. Tu vas passer toutes les balles parce que c'est dangereux pour toi, ça, Natalia, tu vois. Même ça, tu passes, tu vois. Hop. Tu peux pas donner, oui. Hop, comme ça. On prend lui. Quand on regarde la petite fille comme on fait d'habitude. Là, je vais allumer la lumière parce que depuis que j'ai commencé, bah voilà, il fait nuit maintenant. Hop, je suis quand même, moi, à 2h20 de vidéo. Bon, il y a des gens qui font des lives pire que ça, mais... Mais eux, au moins, ils s'offrent un peu plus de liberté. Ils vont boire, ils font des pauses. Moi non, je suis un hardcore. Alors, pas ici. Je crois qu'il y avait un objet. Oh non. Putain, je commence à rêver des monstres invisibles, tu vois.